Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera peut-être, et je dis bien peut-être le dernier, de ce Let's Play de Zelda Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien. Donc j'enchaîne les tournages, néanmoins j'ai fait une petite pause, du coup je me retrouve à l'entrée. Et je me dis que c'est peut-être une bonne chose, parce que ce truc là-bas est très suspect. Parce que là on n'arrête pas de monter. Attends, on a encore des coffres au milieu aussi là. Nous, on s'est arrêté. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit là où je me suis arrêté, devant le coffre qu'il y avait. Je suis en train de vous le montrer avec le doigt et vous ne le voyez pas du tout. Mais il y avait un coffre au bout du couloir. Enfin, c'est pas vraiment un couloir, mais bref, vous avez compris. On va y retourner, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu vas potentiellement ensuite, tu vas monter. Et je vois pas comment ensuite redescendre. Donc, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. On va retourner là-bas, l'air de rien, hein, voilà, comme si on voulait le faire depuis le début. Alors dis-moi que t'as pas à refaire spawn les ennemis, c'est terrible. Ok, on va quand même y aller un petit peu plus vite cette fois, faut pas déconner, hein. Faut pas déconner. Alors attendez, maintenant qu'on est là, j'ai quand même envie de faire un truc là. Ah mais peut-être qu'il faut creuser. Les idées me viennent comme ça d'un coup là. Ben voilà. Ok. C'est bon, voilà, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai bien fait de faire une pause parce que... Alors là, vous savez ce que c'est, vous savez ce que ça va être? Petite pause, petit aparté. Là, ça va être le moment où il y a les théoristes du complot, les complotistes, qui vont dire « Ouais, t'as regardé la solution entre les épisodes, arrête de faire semblant. En plus, tu joues mal. » Enfin, tu joues mal, je veux dire, l'acteur, on voit très bien que tu fais semblant. Faut savoir que ça, on me l'a déjà dit sur beaucoup de jeux, que je découvre à 100%, je vous rappelle, et on me dit « Mais fais pas genre, on voit bien que tu as déjà joué, tu fais mal l'acteur. » Alors moi, ça me rend stupéfait. Mais écoutez, malgré moi, je suis donc un mauvais acteur, même quand je joue pas la surprise. Vous voyez ? Bref, c'était comme ça. Le petit moment complot, qui peut du coup arriver, parce que c'est vrai que je trouve la solution dès le début de l'épisode, tu vois, d'un coup, je te dis « Ok, on peut pas y aller après, faut y aller maintenant, tac, et faut creuser. » Ça aurait pu me venir avant, mais non. Oh. Bref, si vous faites partie des complotistes qui pensaient réellement, hein, sans mauvais... sans blague, qui pensaient vraiment que j'ai regardé la solution, dites-le. Mais... Bah, c'est pas le cas. Je vous le dis, hein, mais... Est-ce qu'il faut pas une bombe avec... Je me souviens même plus, en fait. Une petite bombounette. Comme quoi, la fée des vents, encore une fois, dans son boomerang, nous aura permis d'avancer. Ah, mais bien sûr, il manquait cette étape. Il manquait l'étape du bâton. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour grimper là-bas, parce qu'il y a un coffre qui est inaccessible. Mais voilà, mais tout s'éclaire, mais c'est beau. C'est beau quand on fonctionne. Non? Voilà pour vous. Voilà pour vous. Oh, il y a un truc à lire, là. Merci. Alors, il y a du coffre. Il y a du coffre. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore obtenu de fragments de cœur. Ainsi, devant l'arbre sacré, le bretteur maudit va reposer. Ok, super. Le problème avec tout ça, c'est que je veux bien... Faut creuser. C'est ça, l'arbre sacré? Parce que je veux bien, là, déplacer les statues, mais pour l'instant, c'est fermé. Ah non, faut peut-être une bombe. Oh, coucou, vous! En fait, c'est un caillou. Je pensais qu'il fallait creuser, mais... Alors le pauvre, s'il reposait, là, on va bien le réveiller, hein. Toc toc! Gros bouton.
Alors on ouvre les coffres, mais moi c'est finalement pas celui-là que je voulais. Bon, faut... C'est un début. Alors je suppute le truc. Ah oui, mais il y avait des torches de l'autre côté. Bon, je suppute le truc. De l'argent à gauche, fragment de cœur à droite. C'est parti. Fragment de cœur, fragment de cœur, fragment de cœur, fragment de cœur, fragment de cœur. J'aime beaucoup la richesse. Non, ça me va, ça me va, ça me va, y'a pas de problème. Ah, et y'a de quoi allumer encore mes torches. Ok. Bah du coup, fragment de cœur dans le coffre obtenable en déplaçant tous les trucs. Waouh! Est-ce que c'est pas le coffre? Est-ce qu'on vient pas d'assister au coffre, quoi? S'il vous plaît. Alors, cette torche qui, comme la fée du... Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait arrêter la pluie. J'allais vous dire, cette torche qui, comme la fée du boomerang, n'a jamais autant servi qu'aujourd'hui. Ah, mais c'est ça, en fait. En fait, j'aurais pu essayer d'ouvrir ça, sauf qu'avec la pluie... Non! Non! C'est pas possible. Mais prévenez quand c'est timé, prévenez que je papote pas. Please. Même joueur, joue encore. Voilà, donc du coup, ça valide ce que je vous dis, hein, c'est que je pouvais pas allumer ça. Il y a de la pluie. La pluie, ça mouille. Ça empêche d'allumer les feux. Merci beaucoup. Donc. N'empêche, moi, je pensais tomber sur un petit truc secondaire. Ah, mais attends, il y a même un truc à lire. On tombe sur un vrai gros truc, quoi. La source de vie que les hagards fantômes contemplent... La source de vie, fragment de cœur, on est sur le fragment de cœur. Contemple transfixé, hein. Des épaisses murailles de noir enveloppées deviendra la clé. Oh, ça veut rien dire pour moi. Mais n'empêche qu'on peut être... transfixé. Hein. Très impressionnant. T'es placé là? Ouais, ça va. Alors là, franchement, si c'est... Mais casse-toi, toi. Si c'est pas un fragment de cœur, je ne réponds plus de rien. Ou alors c'est un tampon fragment de cœur, mais je me demande même si on l'a pas déjà récupéré, ce genre de truc. Mais sinon, là, il y a mensonge. Il y a mensonge sur la marchandise, ça va pas du tout. Mais, cette zone, du coup, était bel et bien secondaire. Hein, déjà, j'ai envie de te dire tant mieux, parce que si on était allé tout en haut, et qu'on s'apercevait qu'ici, il y avait, bah... bon, j'avais la clé du boss, on l'a récupérée, donc non. Ou une petite clé, tu vois. On l'aurait eu assez mauvaise. Allez, le fragment de cœur. Allez, le fragment de cœur. Pardon? Alors... Mais oui, mais Midona... Est... Tu as ce dont tu avais besoin maintenant. Il n'y a plus qu'à entrer par la grande porte. Mais même Midona est étonnée. D'habitude, elle me dit pas genre, ah, une petite clé. Non, non. Mais il a fixé le truc de la vie, le... Mais quel était ce message pourri? Mais c'est pas possible. Où est mon fragment de cœur? Est-ce que vous pensez... Il peut ne pas être dans un coffre. Lâche ces merdes. Relis le message. C'est pas possible qu'il serve à rien, ce truc. La source de vie que les hagards fantômes contemplent fixée, des épaisses murailles de noir enveloppées, deviendra la clé. Attendez. Les fantômes, là, ils fixaient quelque chose? Est-ce que vous serviez... Juste à montrer le truc, je veux pas croire qu'il n'y ait pas de truc ici. Ce message n'était pas du tout pour la clé, bien qu'il y ait un système de clé. Mais attends, regarde, regarde, regarde. Regarde. Il montre un truc. Please.
la source de vie que les machins agar fixés. Ou alors c'est dans l'arbre. Mais non, parce qu'il montre rien de ce que je veux. Ah, je suis... Et les brumes noires, qu'est-ce qui pourrait faire de la brume noire? Une bombe? Mais non. C'est pas possible. Ah, je suis... J'en peux plus. J'en peux plus! Y a pas une autre tombe avec un mot, quoi, non? Source de vie que les hagards fantômes contemplent, transfixés. Des épaisses murailles de noir enveloppées deviendra la clé. Je comprends pas. Écoutez, je suis presque sûr qu'il y a un truc ici, mais je le trouve pas. Au pire, encore une fois, hein, on ira en live pour compléter. Hein, je veux dire, on n'oublie pas. On n'oublie pas. On fait un big up au coffre de la mine Goron qui attend depuis des années. Des années. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Je me souviens même plus. Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Bon, écoutez, vu que c'est quand même une petite trotte pour retourner là où je vous ai laissé à la fin de l'épisode, on va y aller. Et puis, on verra ensuite. Voilà. Alors, je vous retrouve finalement pas exactement où je vous ai laissé à la fin de l'épisode, parce que j'avais zappé, mais on n'a pas fait ce côté-là. Et ça rejoint là où on s'est laissé. Donc, on va quand même revenir ici. Il y avait cette énigme-là. Et maintenant qu'on a la véritable solution, comme quoi, en fait, la vérité se cachait là-dedans. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Par contre, il y avait aussi des chauves-souris dégueulasses ici. Faut allumer un truc pour qu'elle se libère. Voilà, voilà, voilà. Oh ! Ce joli strike. Donc, comment je lis ce truc ? Je dirais qu'il faut commencer avec la flamme. Mais alors, dans quel sens ? Genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Genre comme ça. Attendez, parce qu'on a la solution, mais finalement... Ah bah c'est bon, ok. Fallait juste savoir dans quel sens tu lisais le machin. Le truc, c'est que là, on est bien d'accord qu'on fait ça, entre guillemets, pour rien. Parce qu'il n'y a même pas de coffre là-dedans, ça rejoint de l'autre côté. Je trouve ça assez étonnant, d'ailleurs. À moins qu'il nous donne une récompense... bonjour, vous. Sans coffre, ça arrive aussi. Hein. Je veux dire, on a eu une clé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Il y a longtemps, maintenant, pour vous, mais... Avec le big. Bonjour. On a eu une clé avec le big qui était pas dans un coffre, il nous l'a donné. Hein, donc... Non, tu veux pas faire ce que je veux, c'est pas grave. Ok, ok, ok. Il est temps de montrer qu'on sait un petit peu se battre quand même. Enfin, on va essayer. Non, non, non. Voilà. J'ai touché l'autre derrière, mon pauvre. Alors, quand j'ai dit on va montrer qu'on sait un petit peu se battre, dire un petit peu, ça a son importance, hein, ça a son importance. Vas-y, je veux faire une roulade. Tu fais pas du tout une roulade, là. Pourtant, j'essaye de faire le tour, mais... Bon, c'est pas grave, au pire, on va t'avoir autrement. Non, pas avec une torche. Si, apparemment, avec une torche, ça marche bien. Bon, ok, ok, ok. J'ai montré de nombreuses fois que je ne savais pas me battre, mais bon, de là à ce que ce soit aussi moche. J'espère que contre Ganondorf, on arrivera à faire un truc un petit peu plus stylé. Je voulais quelques cœurs, mais apparemment, ce n'est pas possible. Ah non, va pas ici, va pas ici. Voilà, on va enfin être là où on s'est laissé. Ok. Et encore une fois, finalement on revoit tous les ennemis, ça me fait penser du coup au combat contre Xanto. Où on revoyait tous les boss, là on revoit tous les ennemis.
Mais eux sont faciles. Eux sont faciles. Tac, 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 tac. Boum, tac. Oui. Oula. Même très facile. Pour une fois, lui, ça a été. Encore une petite clé. Mais ça va pas du tout, cette histoire-là. Si on a obtenu une petite clé dehors, c'est bien exprès pour que ici, il y ait un fragment de cœur. Bon. On a encore de l'espoir. Oh là, la cam va s'arrêter. Mais j'ai encore de l'espoir. Attention, donc au démarrage, voilà. L'espoir se trouve dans la salle centrale, où il y a deux coffres que nous n'avons pas pris. Donc on va y aller, il faut partir de l'autre côté par contre. Je dirais même qu'il y a deux espoirs. Parce qu'on avait vu sur la carte qu'il y avait une salle avec beaucoup de coffres, qui ressemblait un peu à la salle au trésor, tu vois. Donc peut-être que c'est juste là qu'il y a plein de fragments de cœur. Parce que là, on avait eu un tampon, je crois, mais zéro fragment de cœur. Moi, je veux mes fragments de cœur. Hein. Et je peux le dire encore, je veux mes fragments de cœur. Attention. Attention. L'argent, c'est bien, mais ça commence à me gonfler. Appuie. Ok, bon, ça fait apparaître l'autre coffre. Très bien. Très bien. Mais du coup, l'autre balcon, il sert à rien. Pourtant, regardez là-bas. Et s'il y a un autre bouton là-bas? Faudrait qu'on y passe après. Est-ce qu'on y passerait pas tout de suite? On va y passer tout de suite parce que sinon, il faut que je me retape la route pour remonter. Parce que j'ai peur que si je vais chercher le coffre, je peux pas remonter. Je suis perdu. Voilà. Fait beaucoup d'aller-retour dans ce donjon, mais ce n'est pas grave. Vous avez cru qu'on arriverait à l'extérieur, mais non. La magie du montage fait que cette porte finalement donnait directement ici. Bah c'est parfait. C'est parfait, ça va me faire un raccourci. Parce que je ne pouvais pas faire ce genre de saut. Ok. Bah c'est parfait, du coup va chercher le coffre. Et après tu remontes. Ça m'évitera de faire encore une ellipse. Là. Bon alors là. Là, ça ne peut être. Imaginez, j'ai encore une clé. Là, je ne réponds plus de rien. J'arrête tout, quoi. Mais là. Bon, c'est 200 rubis quand même, hein. J'ai envie de te dire que finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Mais... Les fragments de cœur, c'est... C'est la dèche, à ce point. Oh là, qu'est-ce que tu disais? Ah, pas du tout, là. C'est la dèche à ce point. Bon, alors, du coup, dernier espoir. La salle avec tous les coffres, que j'appellerai la salle au trésor, contient deux fragments de cœur et un tampon et masse rubis. Voilà, ça peut être, ça ne peut être que ça. Si c'est pas ça, moi, j'arrête de jouer, on finit pas le jeu. Ça s'arrête là. C'est brutal, mais ça s'arrêtera là, parce que je veux plus. Voilà, je veux pas me laisser faire. Alors, utilisation d'une clé, qu'on appellera la clé de l'extérieur qui n'était pas prévue. Mais... Ouh! La musique commence à... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah oui, je sais ce que c'est. Voilà, les sales bêtes. Oh! Bonjour. Ah, regardez ça! Attendez. Retournement de situation. Il montre des trucs. Ouais, alors retournement de situation, en fait, pas terrible. Je crois qu'il montre juste le chemin. Et que si tu... Ouais, c'est ça. Si tu ne les suis pas, à mon avis, ça s'écroule. Bon, petite déception. Le retournement de situation n'est pas aussi efficace que prévu. On est d'accord qu'ici, il n'y a pas de coffre. Non, il n'y a pas de coffre tant que je suis pas dans cette foutue salle.
On y est d'ailleurs, on y est, vas-y, vas-y, go. Go, go, go. Oh là, les escaliers sont cassés, madame. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ces sauts en loup? Ça me rappelle vraiment Ocarina of Time, là. La montée de la tour, comme ça. La musique qui commence à être vraiment le thème de Ganondorf. Oh là. Allez, Mido. Fais-moi passer. Fais-moi passer, Mido. Non? Ok, on arrive au moment épique où, du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est dans la salle avant. Genre là, t'as un petit truc à regarder. Tu brûles les étendards pour déverrouiller un cristal qui te fait pop un pont. Ou encore, c'est encore la fée du vent qui va demander à ce qu'on éteigne les flammes. Ah. La fée du vent, qui n'est pas sur ce bouton, m'aura indirectement dit que je peux m'accrocher à ces trucs. Merci, la fée du vent. Vous êtes bien brave. Moi, j'étais parti pour éteindre les flammes, mais bon. Si, si, ça passe, là. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Merveilleux. Et encore des ennemis. Qu'on va faire en loup, parce que c'est très efficace. Et au moins, j'ai pas à montrer que je suis très mauvais en bataille. Dit-il. Beaucoup plus efficace. Oh, mais regardez-moi ça! C'est ça! C'est le moment! Le moment de la toupie! Comme quoi, on aura utilisé tous les objets? Le boulet n'a pas été utilisé encore. Mais on n'est pas à la fin. On n'est pas... Qu'est-ce que tu fais? Fais ce que je veux. Le boulet n'a pas encore été utilisé. Alors, attention, attention, attention. Faut pas déconner, là. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, ça va me remettre tout en bas. Ah, ça va. Oh, merci le jeu. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Parce que là, j'ai eu peur, tu sais, que ça te remette tout en bas. Et que tu doives tout remonter. Comme un bon jeu de pute. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ce jeu est gentil. Voilà. Ah, bonjour. Ok, on est devant le boss. Mais il reste... Il reste Big Armor. Là, tu vois, ça va être le combat qui va montrer que depuis le début, on est en 2019, l'année du bluff, tu vois. Depuis le début de cette session de tournage, je fais semblant de ne pas savoir me battre. Mais en fait, je suis un épéiste de fou furieux. Tu vas voir. Tu vas voir. Attends, fallait pas que je le vise. Voilà l'épéiste de fou furieux, l'épéiste. Ok, l'épéiste, bon, l'épéiste pas fou furieux. Non, non. Mais l'épéiste quand même. L'épéiste quand même. Allez, allez, allez. Encore une fois, si t'avais pas récupéré toutes les techniques, ça aurait été vachement chaud. Oh, le gars balance son épée. Ok, ok, on va faire une petite roulade, petite roulade, petite roulade, petite roulade, petite roulade. Roulade, montre aux gens comment tu fais. Non, pas comme ça, pas comme ça. Épéiste fou furieux, épéiste fou furieux. Épéiste fou furieux. Voilà. Oh là 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 là, c'était pas si mal. On a vu pire. Oh, et regardez, du coup, voilà, la salle au trésor demandait une petite clé. On aurait pu être très déçu. Parce que... Oh. Mais c'est des petits coffres. Ah non, il y a du gros coffre. Oh là 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 là, la folie. Nul. C'est pas grave. C'est pas grave. On est en train de piller le trésor d'Hyrule. Un peu mieux. Ça va monter jusqu'au 200, ça. Ça va me faire tous les rubis. 20. Le prochain, 50. Et le numéro complémentaire, le 100. Et finalement, le big bonus à 200. Qu'est-ce que c'est cette merde? Remboursé?
C'est de la merde. Au secours. Mais, est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Hein, le truc qui te donne des bombes, des flèches. Finalement, c'était tout ce que j'avais dit. L'année du bluff, l'année de je cherche un mot qui fait œuf et qui montre que j'avais deviné, mais je ne trouve pas. Ou alors là, vous allez peut-être un petit peu loin, hein. Des graines, really? Autant je veux bien la fée du vent du boomerang, mais alors les graines et le... Et le lance-pierre, faut quand même pas déconner, quoi. Bon. Oh non! Oh, il n'y a plus de batterie dans la cam. C'est terrible. C'est terrible. Je préfère tout casser, on sait jamais. Oh! Oh, la pauvre petite fée. D'accord, attendez. Rien n'est perdu. Je suis en train de me parler à la cam alors qu'elle est éteinte, mais bon. On va remettre une batterie juste après. Non, mais là, vous déconnez. Me mettre des hydrobombes dans un coffre comme ça? Là, vous déconnez. Je vais garder celui du milieu. Le 100. Le 200. Zelda souriante, ok. Bon, le 200. Bon, très bien. Il n'y a aucun fragment de cœur dans ce donjon, quoi. On est bien d'accord. Il n'y a plus de coffre. Super. Génial. Peut-être que quelqu'un me l'a dit depuis le début, hein. Mais vu que j'ai enchaîné les tournages, j'ai cherché pour rien. La déception est totale. Moi, je rends les armes. Voilà, je dégage. J'en peux plus. Chercher une batterie. Je suis saoulé. Voilà, ma déception s'est perdue dans ce chemin jusqu'à la cuisine pour trouver une batterie, car les batteries sont à la cuisine. Hein? Bah une batterie de cuisine! Suivez la blague, s'il vous plaît. Donc, maintenant, nous allons faire... Mais je suis full V en plus, regarde, je suis prêt. Je suis prêt, mais je suis prêt, j'ai jamais été aussi prêt. C'est parti.